Bien-aimé, le Seigneur t'aime comme tu es. Amen. Voilà pourquoi, par son amour, il est venu nous chercher. Afin de rompre le lien qui nous liait avec le péché. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet que j'intitule Est-ce que nous connaissons le Dieu que nous sommes? Est-ce que nous connaissons le Dieu que nous sommes venus célébrer ce matin? C'est Jésus-là, est-ce que nous le connaissons? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était avant la fondation du monde. Et Jésus est Dieu. Que personne ne te trompe à cela. Nous allons dans le livre de Matthieu 16, à partir du 13e verset jusqu'au 19e. Aujourd'hui, encore le Seigneur nous fait cette grâce. Je disais Matthieu 16, du 13e au 19e. Alléluia. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu 16, à partir du 13e verset. La Bible déclare, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demandant à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de Dieu, le fils de l'homme plutôt. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui es là ce matin, aujourd'hui, le Seigneur te pose encore cette question en te demandant, toi, qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Jésus a posé la question au verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Aujourd'hui, le Seigneur te pose cette question. Toi, qu'est-ce que tu dis que je suis? Au verset 16, la Bible nous dira, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas de la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ce qui te liera sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la question était simple. Les apôtres marchaient avec le Seigneur. Ils connaissaient le Seigneur. Parce que le Seigneur faisait déjà des miracles. Et ils ont vu. Et le Seigneur les a montré que c'est lui, le Christ. Mais ils ne comprenaient rien. Ce jour-là, ça c'était après la mort de Jean-Baptiste. Ce jour-là, le Seigneur, en entrant à Césarée, le Seigneur, comme les gens disaient, ah non, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Le Seigneur va poser cette question à ses disciples. Mais vous avez entendu tous ces gens-là disent. Ils disent quoi? Qui suis-je moi? Le fils de l'homme. Oh, les indices, tu es Jean-Baptiste, tu es ressuscité. Oh, les autres disent que tu es Élie. D'autres, tu es Jérémie qui est revenu. Et d'autres, tu es l'un des prophètes. Ah bon? Tout cela. Mais et vous alors, qu'est-ce que vous dites de moi? Bien-aimé, c'était une question simple parce qu'ils étaient avec lui. Mais personne n'osait dire réellement. Parce qu'il a fallu que cette réponse sorte du cœur. Voilà pourquoi Pierre, quand il a dit que tu es le fils de Dieu vivant, Jésus a dit, ah non, ça ne vient pas de toi, tu as été soufflé. C'est mon Père qui t'a soufflé pour avoir cette réponse-là. Bien aimé parce qu'ils ont été choisis dès le départ par le Seigneur. Bien aimé, si nous allons dans le livre de Galates 4. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dira. Dans Galates 4, 4. Jésus est Dieu. Même les Juifs, ils n'ont pas compris cela. Les Juifs étaient tourmentés. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit, c'est moi le Messie. Ils avaient la révélation, mais ils n'attendaient pas cela. Ils commençaient à se poser des questions. Mais en plus, quand ils ont entendu du Seigneur que je suis le Père de vie, c'était encore grave. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la loi de Moïse, personne ne pouvait manger ou boire du sang. Ni la chair, même parce que c'était l'abomination. Mais quand Jésus dira que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'héritera pas le royaume des cieux. C'était scandale en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment lui? On voit les œuvres qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est vraiment lui? Oh, bien-aimé, détrompe-toi. Ce n'est pas par les œuvres que nous hériterons le royaume des cieux. Mais par l'engagement de tout cœur. Le Seigneur avait des natures 100% humaines comme 100% Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, étant humain, il est né d'une femme qui était mariée.
l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons regarder ça ensemble. Allons dans Galates 4, verset 4. Dieu humain. La Bible déclare, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous réussissons l'adoption. Alléluia. Amen. Bien-aimés, là, dans le livre de Galates, la Bible nous parle que Dieu a envoyé son Fils. Mais comme il est Fils de Dieu, il est Dieu. Il ne pouvait pas être égal à Dieu sans pour autant être lui-même Dieu. Bien-aimés, des fois, nous, qui sommes des chrétiens, nous avons la confusion quand nous disons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça serait mieux si le Seigneur nous ouvrait tous les yeux et de comprendre cela. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Et des fois, si je suis dans la prière, le Seigneur me parle et me dit, mon fils, c'est moi l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Mais il y a des fois, il vient, il me dit, mon fils, c'est moi le Saint-Esprit. Mais lui-même, des fois, il se présente, il vient, il dit, mon fils, sois sans crainte. C'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est la même personne. Amen. Mais il peut venir en Jésus, comme il peut venir en Saint-Esprit, comme il peut venir à l'Éternel Tout-Puissant. Mais cela dépend du moment où il se présente, de la circonstance d'où il vient se présenter. Une fois, dans une réunion de prière, on priait le Seigneur. Lui-même, il commençait à parler dans la bouche d'une personne. Quand Dieu parlait, il dit, j'ai entendu vos plaintes, voilà pourquoi j'ai envoyé mon fils. Mon fils est descendu pour vous. Donc, c'est le même que nous servons. Israël, ils n'ont pas voulu accepter cela. Mais aujourd'hui, nous allons regarder ça. Nous tous ensemble, allons dans Jean 1. Dans Jean 1:1, la Bible nous dira au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole. La Bible nous dit que la parole, au commencement, était la parole. Or que le monde a été créé par la parole. Mais la parole était Dieu. Donc la même parole qui était au commencement, cette parole, la Bible nous dit que la parole là était Dieu. Bon, maintenant, si on continue, ça va nous dire que cette parole, c'est celle-là qui s'est fait chair. Si cette parole s'est fait chair, en personne de qui? Parce que la Bible nous avait annoncé que un fils sera né. Ce fils-là, c'est lui le Christ. Mais comme l'histoire a été un peu cachée, voilà pourquoi, sacré les doutes, c'est lui-là le Christ, c'est lui-là Jésus-Christ. Voilà pourquoi, le jour
que les sacrificateurs, ils ont envoyé pour arrêter le Seigneur dans les temples, ils ont envoyé des gens pour l'arrêter. Mais quand ils se sont présentés, ils arrivent là, Jésus est en train de prêcher au temple. Comme Jésus prêchait, ils étaient là, ils entendaient, ils étaient fascinés. Ils sont retournés à la fin. On les a arrêté le Seigneur, comme ce n'était pas son heure. Ils sont retournés vers les sacrificateurs. Quand ils arrivent là, on leur demande, mais où est la personne que vous êtes allé arrêter? Il dit, ah mais non, on n'a jamais vu une personne qui parle comme lui. Donc jamais on a vu une personne qui parle comme cet homme. Parce que c'était lui-même la parole. On ne pouvait pas le piéger par la parole. Parce que c'était la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans Jean 8, 56. La Bible nous dira ceci. Abraham, notre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit au verset 58. En vérité, je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fît, je suis. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce vieux-là, les sacrificateurs, avec leur barbe jusque-là. Mais un enfant de 33 ans qui vient pour leur dire que votre arrière-père, avant qu'il vienne au monde, lui, il s'est tressailli de joie de m'avoir vu. Mais t'as même pas 50 ans. Hein? Abraham est mort il y a longtemps. Mais toi, un jeune. Mais Abraham t'a dit comment? Personne n'a compris cela. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Jésus s'est révélé à qui il veut. Jésus s'est révélé à qui il voulait. Bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, ils étaient tous, je crois, fâchés contre lui. Ils ont dit, regarde-moi, c'est insensé. Hein? Il a vu Abraham. Un jeune, il a vu Abraham. Bien-aimé, si nous allons dans Jean 17, à partir du premier verset, nous allons voir. La Bible nous dira, dans Jean 17, à partir du premier verset, après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde à la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Alors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Bien-aimé, là c'est Jésus qui parle. Jésus dit, Père, glorifie-moi auprès de toi. De la gloire que j'avais. Donc Jésus me démontre que le Père
l'éternel glorifie de la gloire qu'il avait quand il était au ciel. Bien aimé, personne ne pouvait comprendre cela. Voilà pourquoi le Seigneur dira un jour, mais je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Et si je vous parlais des choses célestes, vous allez comprendre. Si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, qui peut vous parler des choses célestes. C'était pour dire que lui, il n'était pas de ce monde, il est venu seulement à une mission. Amen. C'était pour nous sauver. Amen. Pour sauver toi et moi. Amen. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Jésus dira, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans Jean 1:3. Bien-aimé dans le Seigneur. Toutes choses ont été faites par elle. Qui est cette elle-là? C'était la parole. La parole de Dieu, celle qui s'est transformée en chair, en personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas une autre vie en Jésus. C'est seulement à ce nom-là que nous sommes sauvés. Bien-aimés, dans Colossiens 1:16, la Bible nous dira, car en celui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Donc là, la Bible nous démontre encore que toute chose a été créée par lui et pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Et si c'est Christ maintenant, et à toi, pourquoi tu vis une vie attristée? Pourquoi tu devais être dans une vie d'échec? Pourquoi tu devais être malheureux? Parce que c'est lui qui était au commencement. C'est lui qui a créé toutes choses. Et à toi. Et là, la Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Mais toutes ces choses-là ont été créées par lui. Et pour lui, maintenant, habite en toi. S'il est en toi, tu ne pouvais pas vivre d'une vie d'un prince. Pose-toi une question. Parce que Christ est en toi. Pourquoi tu as une vie de souffrance? Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, nous croyons des fois que, alors moi je suis chrétien, je prie le Seigneur. Tu crois être chrétien, c'est bon. Mais Christ n'est pas en toi. Parce que le jour où Christ sera en toi, il y aura les changements dans ta vie. Bien aimé, ça je t'assure. Nous pouvons passer un moment de difficulté. Un moment de épreuve, c'est normal. Parce que le Seigneur aimerait ça pour nous faire passer des échelons d'une étape à l'autre. Bien-aimés, même nous dans le monde, pour passer à une classe supérieure, il faut passer l'épreuve. Dans la vie spirituelle aussi, c'est pareil. Pour avancer, il faut qu'il y ait des épreuves. Or, les épreuves, là, ça peut être quoi? Il y a d'autres personnes
Ils cherchent le mariage, ils ne trouvent pas. Pour elle, l'épreuve, c'est le temps de la célibat. Mais, le jour où va passer cette épreuve, le mariage viendra. Pour elle, c'était l'épreuve. D'autres souffrent. Ils passent une période de malade, ils ne comprennent pas d'où ça vient. Mais or, que c'était seulement. Le Seigneur lui a fait entrer dans cette période, dans ce passage, afin de grandir, de chercher encore plus Dieu. Une fois qu'il va chercher Dieu, ça va passer, il va monter d'une étape à l'autre. Donc le Seigneur, il veut que nous avançons, bien-aimés, pour aller au ciel. Nous allons monter, nous allons faire ça. Nous allons monter. Pour avoir du succès, il faut commencer à monter. Pas reculer, mais monter. Bien aimé, quand on vit dans le Seigneur, nous sommes d'abord des bébés. On apprend. On va apprendre à marcher. On commence avec le lait. Après, petit à petit, on va commencer à prendre du bouillon. Petit à petit, on va commencer à prendre du pain. On va commencer à prendre du solide. Bien aimé, c'est pareil pour la vie chrétienne aussi. Pour notre vie spirituelle. Le Seigneur veut qu'on grandisse, qu'on prépare notre place. Voilà pourquoi le Seigneur aujourd'hui te pose cette question. Selon toi, qui suis-je pour toi? Bien-aimé dans le Seigneur. Réponds dans ton cœur. Qu'est-ce que tu dis pour le Seigneur? Toi, qu'est-ce que tu dis pour lui? Il est qui pour toi? S'il est ton Dieu, il faut qu'il prenne la place dans ton cœur. S'il est ton Dieu, il faut qu'il habite en toi. S'il habite en toi, ta vie va changer. Dis Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut que tu prospères, que tu vis une vie heureuse. Mais ce n'est pas une priorité pour nous les chrétiens. Parce que nous, notre vie, c'est là en haut, c'est pas sur la terre. Voilà pourquoi il nous dira, cherchez premièrement le royaume des cieux. Bien-aimé, ça veut dire ceci. Si tu cherches le royaume, le Seigneur habitera en toi. Une fois, si le Seigneur habite en toi, tout va changer. Toi qui étais dans la captivité, tu deviendras libre. Toi qui étais malade, si le Seigneur entre en toi, tu obtiendras la guérison. Tu seras guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une sœur, elle souffrait. Cette sœur-là était malade. Elle était à terre. La sœur, elle souffrait tellement. Le médecin lui dira que, oh là, en toi déjà, tout est arrangé. Même ta foi, c'est tout abîmé. Ton estomac se perçait. Tout est pourri, en elle. Mais tu vis encore, ça c'est ton âme. Mais là, si tu as la famille ici, parle dans ta famille. Tu as au moins une semaine encore pour vivre. Parle avec ta famille. Tu as au moins une semaine pour vivre. On monte la radio. Tout était abîmé. On est entré en prière. On a prié. La sœur conduisait le groupe de chorale de maman. On a prié, on a demandé, Seigneur, souviens-toi de ta fille. Dans la neige, elle bravait la neige pour venir à la répétition. Elle s'est donnée pour chercher ta face. Elle dirigeait le chorale. Pour ta gloire, Père. Fais la grâce. On a prié. Un dimanche, on commence déjà à préparer, à mettre l'argent de côté parce que nous savons qu'à l'église, nous allons enterrer quelqu'un. Bon, le dimanche, on avait Sainte-Seine.
On a dit, bon, comme on a Sainte-Seine, il faut qu'on prenne la Sainte-Seine. On va mettre la Sainte-Seine de côté.